Elle est où l'autre? Ah, elle est là. Ok. Attends. Non, attends. Attends. Je vais juste voir un truc. J'ai une branche embaumante? Non. Non, oui, donc du coup, je vais te l'acheter. Tu la vends à combien? 12 000! Putain! Bon. Bon, voilà. Oula! Tiens, au passage, des fois qu'on ait besoin du forgeron. Parce que du coup, j'ai envie de passer, d'aller faire Freya en premier. Pour la simple raison que si on va voir le vieux roi de fer, si on va affronter le vieux roi de fer, c'est vrai qu'il va falloir passer par la tour de poison. Et qui dit tour de poison dit comment dire? La tour de poison dit du coup les espèces de ninjas, les ninjas qui nous ont bien cassé les burnes la première fois. Alors on n'avait pas un build fini tout ça, mais voilà, ça reste quand même des ennemis qui sont assez chiants à affronter. Donc je préfère faire ça d'abord. Gemme de vie. Exactement, des ninjas. Attends, j'ai ça. Il n'y a pas de raison pour qu'on fasse des chutes. Est-ce que j'ai l'anneau type poison? Je crois pas. Ah si, j'ai même l'anneau anti-poison plus 1. Yo Lord. Je sais plus s'il y a du poison dans cette zone, mais ah non, mais le combo là, j'ai très mal géré mon truc et il y en a certains que je pensais qu'ils allaient arriver plus vite et en fait bah non, du coup ouais. Bois de l'ombre. Je crois qu'il y a pas mal d'archers dans cette zone. Je l'ai même pas vu l'autre. Donc, le bois de l'embranchement. Le bois de l'embranchement, le feu de l'embranchement. Non, du croisement, je crois que c'est croisement en français. Du coup, on va aller du côté de la brume, on va rusher. On va rusher, il y a que des mecs invisibles. Alors, il y en a moins qu'avant, si j'ai pas de conneries. Mais parce que du coup, par la suite, on en affronte d'autres. Voilà. Alors, il y avait des moments où je m'arrêtais parce que j'avais peur de tomber dans le vide. What?
Ah non, non, c'est bon. Non, je sais pas, je croyais qu'on n'arrivait pas par là, mais si, si, si. Non, donc, oui. J'ai l'habitude du 1 parce que j'ai pas mal joué au remaster dans ce moment. Et du coup, oui, j'ai le réflexe de m'asseoir au feu parce que, bah, dans le 1, on ne repop pas au feu si on ne s'est pas reposé. Ce qui est très relou. Surtout quand vous vous êtes téléporté. Du coup, vous êtes téléporté, si vous mourrez après, bah, vous revenez au feu, au dernier feu auquel vous vous êtes reposé. Alors, autant ça peut être pratique parfois, autant c'est souvent lourd. Parce que vous y pensez pas nécessairement, et puis. Pff. Ok. Naksha. Naksha, Naksha, Naksha. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui m'avait suivi. Alors. Voilà. D'abord, on lui donne un coup pour qu'elle tombe. Ah, j'ai cru qu'elle allait faire une autre attaque. Aïe! Je sais pas trop pourquoi elle a essayé de me. Alors, il est possible que je meure sur ce boss. Hein. J'ai énormément de mal. Alors, et en soi, il est pas dur. Mais j'ai énormément de mal à prédire ses attaques. Bon, bah voilà. J'ai des fois, j'ai. En fait, le truc, c'est qu'il y a des. J'ai pas vraiment le timing pour ses attaques. Voilà. Anneau du rituel du sud plus 2. Rituel du sud qui fait déjà. C'est là-dedans. Ah, ajoute des emplacements de sorts. Ah, c'est bien ça. Si c'est plus 2, du coup, ça nous en donne 3. Ce serait cool. Ça nous permettrait éventuellement de pouvoir utiliser quelques trucs. Arriver à la porte de Pharos. Du coup, on va pas. Ouais, on va pas s'occuper du monsieur l'éléphant. De prendre le feu qui est en bas, ça sert à rien. On a un feu qui est juste au-dessus, donc bon. Au pire. J'adore que les nains, en fait, ils mettent énormément de temps à utiliser leur marteau. Alors que quand toi tu les utilises, par contre, c'est une arme qui est relativement rapide. C'est toujours un truc qui m'a reparu bizarre. Tu meurs. La hache. Je crois que j'ai déjà eu la hache, mais je. Bon. Si jamais on me respecte, ça peut toujours servir. Je le vise pas exprès pour. J'ai tendance à. Alors, certains diront que c'est faut pas viser, faut pas loquer les ennemis. Je suis pas d'accord, mais tout dépend de la situation. Là, genre quand il y a des trous, c'est pas conseillé du tout. Hein. C'est le meilleur moyen pour tomber parce que voilà.
suffit que l'ennemi se place à un mauvais endroit pendant que vous le visiez alors que vous alliez vers lui et c'est la mort. Le décès, comme on dit. Alors, je sais plus combien. Alors, je crois qu'il me faut plus de dames que ça pour un level. Ah non! Bah, on va faire un level. Par contre, est-ce que vous entendez mon ventilateur? Parce que je l'ai mis, mais s'il s'entend trop, je l'enlève. Hein. Enfin, je l'éteins au moins le temps du stream parce que. Chez moi, on crève de chaud, c'est pas possible. Même quand je suis que en t-shirt, je meurs de chaud, c'est pas. C'est incroyable. Du coup. Ouais, j'étais à 50 de force, 20 d'ADP, 15 de dex. On va continuer avec l'endu. Hein. Cahier de vie frère, voilà. Je suis tenté de rusher, mais c'est pas conseillé en fait. Ou alors, est-ce que j'ai des crânes élégants? Est-ce qu'il y en a dans ce jeu d'ailleurs? Oui. Ah, j'en ai 20 même. Eh hey, mais. Et mes crânes élégants? Putain, mais ça dure. C'est quoi ce bordel? Mais c'est de la merde les crânes élégants ou quoi? Bonjour! Léon m'avait prévenu. Hein. Ah là! Putain, mais les crânes élégants qui marchaient à moitié. J'ai pas compris. Soit ça dure vraiment pas longtemps, soit c'est vraiment de la merde. Ok, faut pas prendre ce coffre. Même en new game, hein. Parce que, alors, ou alors faut vraiment, vraiment s'attendre que y a des. Il y a les araignées qui vous attaquent sinon. Voilà, on s'est débarrassé des plus gros. C'est un boss de merde en soi. C'est des. Alors, c'est juste que les magiciens peuvent vraiment gêner. Ils peuvent gêner, hein, vraiment. C'est juste que le combat peut durer vraiment un certain temps si vous passez votre temps à les esquiver. Tablette des titanites. Oui, non, mais je crois que j'avais déjà été. 30 000, c'est tout, c'est sérieusement. Alors. Donc, Freya, c'est pour bientôt. Alors, ouais, Léon m'avait prévenu qu'il y avait Freya qui venait nous emmerder juste avant, mais je savais pas que c'était ici précisément. Alors. Voilà. Alors si je dis pas de conneries, je sais plus. Ah non, merde, c'est pas là qui est. Non. Alors, j'ai un raccourci en allant chez Pat.
Mais en fait, j'ai pas pris du tout le bon chemin en fait. Faut faire un certain saut. Et si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai pas fait la quête de pâte, mais en soi, bah les couilles. Je l'ai déjà faite une fois, c'est bon. Yo! Voilà. Nul besoin de se taper la zone. On n'aura pas besoin d'ornifex, tout ça. Down the road. Ah, bon, tant pis. Je sais plus, je crois pas qu'il y ait de magicien ici. J'ai cru qu'il était encore vivant après. Oups. Alors, toujours faire gaffe, les araignées, elles sont extrêmement tricky. Je suspecte que Freya viendra, va venir nous dire un petit coucou. J'ai pas vu qui que ce soit nous envahir. Ah mais ça doit être un Black Phantom. Oui non mais oui, j'oublie que on est en New Game Plus dans le 2, il y a un Black Phantom. Pourtant ils ont bien fait chier la dernière fois. Alors, ici par contre, les araignées, elles s'en foutent que vous fassiez quelque chose pour tomber. Voilà, donc moi je me mets là et je les attends. Nul besoin. Voilà, ça reste des araignées, hein. Elle a senti le PV. Elle a senti qu'elle avait plus qu'un PV et s'est dit wow, 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 wow. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait. Voilà, c'est ça. Elle a fait oh là, qu'est-ce qui se passe? Alors. Non, ouais, là, le mur m'a. Je pense que c'est le mur qui m'a empêché de faire le full damage. Full dégâts. Alors, Freya, le problème, c'est que. Elle peut nous casser les couilles. Ah, la descente finale. Vous connaissez la lutte finale? Là, c'est la descente finale. C'est littéralement la descente en enfer. Alors, Freya, en soi, bah, je pense qu'on l'a vu la dernière fois. Elle est pas dure, mais c'est juste qu'elle peut, elle peut casser les couilles. Alors, pour éviter de se taper l'armée. Voilà. On descend dès que c'est possible. Ouh là là là. J'ai jamais vraiment compris. Je sais pas vraiment, pas vraiment pourquoi il y a des. Il y a des sbires ici. Mais bon. Alors on va directement voir le boss. Hein. Pas de chichi. Hein. Aïe! Alors comme d'hab, on attend qu'elle fasse son laser. Qu'elle fasse son Kamehameha. Elle ne veut pas le faire, c'est chiant. C'est très chiant. Ah. Non, genre. On se casse, on se casse, on se casse. C'est bon.
Oula! Ça, je pense que c'est un coup qu'elle fait en New Game Plus, parce que je me souviens pas de ça, hein. De bouger toutes ses pattes. Ah putain. Ah, t'as trop bouffé? Alors, Miss Freya, voilà. Avec toutes ces araignées, j'arrive plus à la loquer. Il y a trop de spiders. Et j'ai pas envie de... Oups! Vous m'excusez... Non, non, putain, on vire pas ton épée! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. J'ai les araignées qui me coursent le derche. J'en vois une qui vient de tomber. Ah, mais elle me fait pas le laser, cette greluche. Alors, voilà. Ouais, mais le truc c'est que voilà, entre les gemmes et tout ça, c'est... Oh! Oh, je l'ai loupé! Oh, je l'ai loupé! Oh, le gros sac! Par contre, faut pas que j'utilise la grosse attaque. Non, genre. Non! Voilà, au moins déjà on va être un peu plus tranquille. En fait, faut pas que je la lock. Je crois que c'était déjà ça la dernière fois, c'est faut pas que je la lock. Comme ça, je peux faire ça. En fait, faut pas que je fasse les attaques horizontales, ça me fout plus dans la merde qu'autre chose. Là, j'ai plus de chances de rebondir sur son corps qu'autre chose. Non, il lui reste un PV, mais j'ai pas confiance. C'est bon. Meurs! Meurs, sac à merde. J'ai jamais fait gaffe à la tête du dragon en haut. Oh putain! Oh putain! Il y a l'armée! Bon, après, pas trop grave, mais. C'est quoi qu'il y a là? Ah non, c'est rien, d'accord. Mais ouais, le dragon, genre... Parce que oui, la grande âme, au final, c'est l'âme du dragon, en fait. Hein. Mais Du coup, j'avais jamais fait gaffe qu'en fait, il y avait la gueule du dragon... il y avait le cadavre du dragon, là.
Et Roger le charcutier là. Clé de vie de pierre. Je sais même pas, je me souviens même plus ce que ça ouvre. Bon, allez. Par contre là, on ne va pas avoir le choix. Là, la suite, ça va forcément être passé par la tour des. Oui, non, mais voilà, c'est. On a juste besoin des 4 grandes âmes et puis basta. D'ailleurs, on va aller voir Strayd pour avoir la magie qu'il nous donne avec l'âme qu'on vient d'avoir. Pourquoi? Parce que je te rappelle que Aldia, on l'affronte que si on bute Dendrick, hein. Ça a aucune incidence sinon après le reste, hein. Non mais. Oui, justement, toi tu comprenais pas pourquoi tu l'affrontais toujours malgré les réponses que tu lui donnais. C'est parce qu'en fait, c'est la mort de Vendrick qui influe sur son apparition ou non. Âme de Drake, pas l'ancien, donc ça c'est l'âme de. Maîtrise de la sorcellerie. Bon bah voilà, ça c'est fait. Et justement, j'avais regardé sur le wiki, c'est. J'avais regardé sur le wiki et c'est la. Comment dire? Comment ça s'appelle? La. C'est quand le fait de tuer Vendrick avant d'aller faire Nashandra qui enclenche Aldia. Vu qu'on fera pas Vendrick, de toute façon. Façon, après, oui, on pourrait très bien. Ouais, il y a juste que bah ça ferait. Voilà, ça fera faire une cinématique en plus sur le dernier. Par contre, du coup. Pour aller dans la zone de poison, il faut passer par. Faut aller forcément aller faire le Dragon Rider parce que bah. Il nous faut Miss Miracle. Oui, parce que sinon elle fait tourner. Elle fait pas tourner. On peut pas tourner ça. Alors, ironiquement, si on la tue, on n'a pas payé pour la tourner, mais du coup on peut le faire nous-mêmes. Mais tant qu'elle est pas là, on peut pas le faire. C'est un peu ironique. Du coup, il ne reste plus qu'une âme de seigneur à récupérer. Oui, bon après, c'est 2000 âmes, hein, ça va pas nous tuer. Hein. En New Game Plus, ça vaut rien, 2000 âmes. Hein. Autant au début du jeu, ça peut être une certaine somme, autant là, les boss nous donnent 100 000, 100 plus 1000 d'âmes. On s'en balèque d'une force! Alors, je vais quand même me reposer au feu. Oui, j'ai 120 000 âmes, pas grave. Là, on va rusher jusqu'au Dragon Rider. Le truc, c'est que je peux totalement me fail sur le j'allais dire le skip. C'est à moitié un skip sans un train, parce qu'on l'affronte pour de vrai. Aïe. Et les marteaux, c'est vraiment compliqué parce que vu qu'ils nous ont avec leur allonge. Putain, il y en a un. Ils en ont rajouté d'ailleurs. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on doit se taper le Dragon Rider quoi qu'il arrive. Oula, il a failli m'avoir. Toi, avoir failli m'avoir, le Maltoni. Mais j'ai été plus malin. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait un Black Fantôme. Mais non. Alors. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Voilà! Je crois que c'est 7 pas, mais du coup, à 6, généralement, je préfère m'avancer. Hein. Âme du monde dragon. Oui, c'est du coup dans la scolaire, il faut qu'il. Du coup, il faut qu'il y en ait certains qui spawnent. Oui. Non, je t'ai déjà dit, j'aime pas buter les PNJ.
Je m'en fous, c'est bon. Je veux dire, ces 2000 âmes, on s'en branle. C'est, je veux dire, elle fait que, au final, en soi, elle veut juste t'arnaquer, mais en soi, elle est pas mauvaise, elle est pas méchante, hein, en soi. Ah, du moins, je l'ai pas compris comme ça, du moins. Tu sais, c'est pas une patch où, elle, lui, Patches, lui, qui veut juste, aller, t'envoyer à la mort. Tu sais, voilà, c'est. Ah, il reste 17 000, c'est bon. Puis on l'a déjà buté une fois, voilà. On l'a déjà buté en new game. Voilà. Tu vois, ça te fait croire que c'est la foi, c'est sa foi qui fait bouger le truc, mais en quoi la foi a un rapport avec le fait de bouger une porte? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est bon, ça a pris 10 secondes. On va faire gaffe, hein. Ouais, justement, en voulant regarder en bas, j'ai pas fait gaffe. Il aime bien les zones de vide Dark Souls 2 aussi, hein. Le 1, il en abuse. Le 2, moi, il y en a quand même, il y en a pas mal, mais beaucoup moins. Mais ouais, non, dans le 1, ça veut rien dire. Le 1, t'as quasiment des zones entières dédiées au. Ah, t'es au-dessus du vide, lol. Je vais même pas me casser le cul à les faire. Oula! Yo! Alors, déjà, au moins dans le 2, les ennemis n'ont pas de l'auto-aim. Si tu le dis, Martoni. Si Martoni le dit. On va quand même activer le raccourci, on sait jamais. J'ai juste activé le feu. Oui, de toute façon, parce que oui, voilà, c'est. Oui, c'est vrai, on a pu le. Mais Ah non, non, attends, non, 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 non. Ça, c'est pour aller voir le cheval. On s'en bat les couilles. On s'en bat les cacahuètes. Ah, c'est pas le truc. C'est pas ce qu'il y a dans la grotte là ou. Attends, c'est celle-là ou. Non. Attends. On est d'accord, il n'y a pas le levier à côté, hein. Le levier est pas juste à côté. Non. Je sais plus. Non, c'est. Attends, oui, donc. Non, ce n'est pas là. Hein. Si, si, c'est là. Vais quand même me soigner. J'ai vu un Black Fantôme. Non? J'ai rêvé.
J'ai dû rêver. Non, ouais, j'ai dû rêver. J'avais cru voir un truc rouge, mais c'était peut-être mon imagination. Donc la clé, elle est plus loin. Ah non, mais oui, mais il me semblait que j'en ai vu un là maintenant tout de suite. Attends, je vais quand même te buter, toi. Parce que tu vas juste me casser les couilles si tu me suis. Faut que je pense que j'ai pas que l'attaque à double arme. Ah, déjà, il va y avoir l'envahisseur Roenda, là, où je sais plus comment elle s'appelle. Avec sa faux. C'est une faux ou c'est. Oui, je crois que c'est une faux. De toute façon, j'ai fait ce. Je fais ce passage en dernier parce que je sais que c'est celui qui va me plus me casser les couilles dans les 4. Hein. Alors, Rowena la pitoyable, balala. Balala, balala, balala. D'accord. Voilà, la clé. Oui, bah oui, une effigie humaine parce qu'on a buté un envahisseur. Je ne peux pas me soigner parce que là, ça va être le squelette. Alors, le squelette, je peux totalement mourir dessus si je fais pas gaffe, mais en soi, c'est pas en boss dur. Hein. Pareil. Hein. Autant en New Game, c'est. La difficulté est inexistante. Autant en New Game Plus, j'en sais foutrement rien. Je sais pas s'il y a des ajouts. Comme on a pu le voir avec la pécheresse, il peut y avoir certains ajouts. J'ai pas envie que ça réinitialise les mobs. Creighton, on s'en bat les steaks de Creighton. Voilà, j'ai fait la quête une fois. J'ai pas vraiment. C'est pas une quête passionnante en plus. C'est pas une quête intéressante, hein, c'est juste un mec qui veut tuer Patch et puis basta. Enfin, c'est pas Patch, c'est Pat. Enfin, Pate en anglais. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour en récupérant les différents sorts, tout ça. Je sais plus si c'est le mec qui ressemble à Oswald du premier. Mais il disait, ouais, je viens de Myra et chez nous on a un mec qui fait des honneurs, qui fait pas vraiment honneur à notre nom. Parce que c'est un assassin. Et du coup, il dit que c'est Creighton du coup. Donc le mec en fait, c'est. Alors. Doit peut-être avoir un bout de malédiction. Bah d'accord, oui. Ça va qu'ils vont pas vite. Non! Oh non, 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 non! Non, look, non, look, non, non, par contre, ça c'est dégueulasse! C'est juste dégueulasse! Hé, on te met des blagues fantômes et il y a un magicien qui te canarde à distance! Et je vais pas aller le chercher. Surtout que je crois qu'il repop, donc je vais pas aller le chercher. Putain, non mais merde. J'avais oublié ce magicien de merde! Je m'en fous, je rush. Ah non, mais là, bah les couilles, hein. Je vais même pas me casser le cul à faire les meubles. Bah oui. J'aime bien comment tu cours, mais les mecs savent pile où tu es, hein, quand même. Attends, les mecs, tu dis, ils t'en mettent un derrière, ils t'en mettent un devant, ok? Ah oui, mais il y a le mage aussi, lol. Top délire, méga groove. Lol, j'ai dépassé le Black Phantom. Bon. Pour le coup, c'est pas le Black Phantom qui a cassé les couilles, c'est plutôt. Je l'ai two-shot, ça veut rien dire. Bon, après, j'ai une double Greatsword, mais.
Je sais plus c'est quoi. C'est ce que c'est les roues. Aïe. Oui, alors oui, non mais merci, j'ai le droit de vous frapper aussi. Oh, les roues du 2, c'est quand même celles qui sont les moins chiantes. Parce que elles vont juste à leur destination et puis elles vont pas te suivre. Y en a que deux? Bon bah ok. Je vais plutôt m'occuper de de Joe le Mongolo là. Voilà. Je me débarrasse du magicien en premier. Ah oui, t'as les, oui, il y a les hérissons, c'est vrai. Ouais, pourquoi je... Ah! Dans ce, en New Game Plus, ils peuvent tous y faire une boule de feu en fait. Mais c'est ça, dans les DLC, ils ont dit, ah merde, on a fait des rooms à chier, donc c'est pas assez cancer. Donc il y en a beaucoup des squelettes. Et c'est ça, ils ont fait ah putain, nos roues sont à chier. Bon, on va faire des roues on va faire des roues pires que celles du premier. Autant des squelettes normaux, il y en avait une armée. Les squelettes en armure, il y en a quasiment pas. Voilà, meurt. Je prends même pas leur loot. Voilà, respect niveau 0. Anneau de pierre bleu clair, c'est quoi? Non, mais ça c'est. C'est possible. Ah. Réduit le temps d'invocation des sorts. Ah d'accord. Ouais, ça se trouve, le deuxième t'en fait forcément une énormément. Ouais, le premier, ça se trouve, il t'en met pas peu, très peu. Le deuxième énormément et le dernier vu que c'est la fin peut-être oui t'en mets entre deux. C'est-à-dire il y en a un peu mais pas atroce. Bon, je me soigne pas, on a un feu juste après. Alors, la vallée des récoltes, c'est pas la zone qui me fait le plus peur, même si quoique. Le passage avec les sorcières de feu. S'il y a des avec selon les ennemis qu'ils ont ajouté plus les blocs fantômes et je sais vraiment pas l'intérêt des blocs fantômes en fait parce que déjà qu'ils se rajoutent des ennemis normaux ils avaient juste à faire bon bah c'est des ennemis normaux mais plus forts quoi c'est je sais pas c'est ouais pourquoi blocs fantômes autant là tu dis bon bah ils pop tu sais ils pop du vide dans enfin depuis tu sais il y a rien puis pouf voilà blocs fantômes. Là je vois, mais comment dire? Pour les ouais, pour les Black Phantom qui sont naturellement là, ouais, pourquoi c'est pas juste des mobs classiques? C'est. Ah! Donc c'est vraiment. C'est dans. Oui, c'est vrai que dans. Il n'y a rien vraiment de différent dans les autres. Mais bon, j'estime que déjà augmenter la difficulté. Après, tu me diras, c'est vrai que la difficulté supplémentaire. Elle est pas ouf. Hein, Parce que les zones de fin de jeu, au final, elles sont quasiment. Ah, elles sont à peine plus dures. Bon. Ah, tant que tu touches pas dans les. Dans les.
New Game Plus très très élevé, tu vois à peine la différence à part sur les boss early game. Alors, la vallée des récoltes, la zone me fait pas peur en soi, mais il y a juste que. Alors. Tu te rends compte que quand j'ai vu l'ombre de l'aile du moulin se déplacer, j'ai cru que c'était un mob. Je me suis dit, mais c'est quoi cette bestiole? Non, ouais, non, c'est juste du décor, mec. Tu meurs, déjà. Donc là, on est à l'aiguille de terre, mais pas vraiment. On n'est pas encore dans ce que je considère vraiment. Ah! Ils ont ajouté une sorcière de feu. Ah! Pourquoi je la ferais? Elle est trop loin pour être dangereuse. Well, hello, Jabba! Voilà. On attend qu'ils se remettent. J'en ai pas. Non, non. Parce que j'ai refait le chemin plusieurs fois. En fouillant, j'ai refait le chemin plusieurs fois et elle était pas là. Hein. Tu confonds avec une autre zone, je crois. Avec un autre endroit en fait. Avec un autre spot. Je crois que ça brise l'équipement, ça. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. Toujours attendre qu'il se remette normalement. Ah! Ou alors il fait splash attack. Magikarp, tu te calmes. T'étais plus stylé dans Pokémon. Hein. Oh putain, mana, je veux même pas y penser. Aïe. Ah, oh, mana avec des blagues fantômes, je veux même pas y penser. À voir. La crypte, à voir. La crypte, encore, elle me fait pas trop rager. Même en temps normal, c'est juste que. Il y a eu la phase où il y a le Forlorn qui s'est pointé en mode Yo mec, je viens te niquer ta run. Alors le truc c'est qu'il faut que je me souvienne le chemin parce que. Ah, juste un coup ça suffit. Voilà, meurt. Tombe. Je vois mal comment ce. Quand même, le truc il est en métal, t'arrives à le brûler quand même. Hein. Non, ouais, je m'en doutais.
faut que je me remette en position comme ça. Normalement, il y a un feu là. Oui, voilà. Bah les couilles. Je me suis pris le piège évident, mais je l'ai pris quand même. Merci de m'empoisonner, sac à merde. Alors, je sais que le feu, il y a le feu qui est caché juste en haut. C'est juste que je tiens pas à avoir une mauvaise surprise. Donc voilà, il y a Miss Pyromancienne, la sorcière de feu. J'avoue que j'ai une espèce de pierre, j'ai l'impression qu'il y a il y a une échelle, mais pas du tout. Je vais même pas tenter une attaque tombante parce que les attaques tombantes sont assez foireuses dans le 2. Joe le mongolo, tu te calmes. Tiens, ils en ont rajouté un là. Ouais, enfin, ça c'est pas ce que j'appelle une difficulté hein, de rajouter machin. J'attends que mon endurance remonte. Alors, je prendrais bien l'initiative. Voilà. On apprend cher quand même. Évite de te soigner. Oh putain. Aïe. Le coup de la queue quand même qui te touche aussi, c'est vachement crade, je trouve. Bon, Nita, ça a jamais été une complication en soi. Ah! L'anneau du serpent d'argent plus 2. Ça pourrait être utile si jamais... Il n'y a pas de raison, mais si jamais on a besoin de farmer. Ah par contre ouais putain à mana en avec des ennemis ajoutés et des black fantômes. Ouais ça peut être cancérigène hein. Déjà là la forteresse de fer je suis pas ultra chaud. D'ailleurs j'hésite si j'y vais pas avec un bouclier d'ailleurs. Bon de toute façon on va rentrer à Majula pour faire les levels. Ça me frustre à chaque fois ces ce genre d'ascenseur parce que je sais jamais par où ça va s'ouvrir. Par là. Déjà en plus, si j'ai bon souvenir. Ouais, mais en soi, c'est pas un truc forcément gênant, c'est. Scholar en speedrun. Ah oui, j'avais pas vu ton message. Scholar en speedrun, ouais, ça va, ça, c'est chaud, ouais, j'imagine pas. Faudrait qu'on en regarde un jour.
Parce que genre il a déjà, je crois qu'il speedrun Scholar lui. Si je dis pas de conneries. Bah on va continuer à monter. On va monter l'endu jusqu'à ce qu'on ait 50 hein. De toute façon on a 50 de vie, on a 50 de force. Là les stats. Sinon bah. Alors, j'ai souvenir que même en. Alors. En Scholar, quand on a vu la première fois, il y avait deux. Il y avait deux envahisseurs PNJ. Deux. Pas deux en même temps, mais l'un après l'autre. Mais du coup, il y a. Alors, déjà, il y a toi. What? Are you serious, bro? Ah oui, non, oui. Alors, il y en a un, y en a pas un qui. Bon. Mais voilà. Et oui, t'as pas pensé au retour, sac à merde. Oui, voilà. C'est juste qu'elle a mis vachement de temps à arriver. Je crois qu'il y allait à l'épée. Voilà, je vais y aller comme ça. Et il y en a un autre qui est ajouté à l'intérieur. Voilà. Églou, églou. Voilà. Et quand je vais rentrer à l'intérieur, va y en avoir un autre. Si j'ai pas de conneries. Il me semble que oui. C'est quoi ça? Ah, c'est un chevalier d'Alone, d'accord. Ah, c'est un capitaine en plus! Ah, non, un capitaine power-up? Ouais! Mais ils ont peut-être enlevé le PNJ, je sais pas. Meurs! Mais merde, mais merde! Il est meurt! Il est meurt! Myrandnath, oui, du coup, c'est pas lui qui me pose problème en soi. Hein. Alors, le Myrandnath, peut faire mal. Il peut faire mal si. Alors, c'est surtout ses AOE qui vont faire mal, mais en soi. Oula! Aïe! Je me demande si je devrais pas les faire à l'épée simple en fait. Je pense que ce serait peut-être plus productif. Productif, lol. Alors, on ne va pas faire descendre ça. Ça va juste nous ajouter des mobs pour rien. Voilà, bon, viens ici. J'aime bien, il y a le Black Phantom, tu sais, qui va en bas. Mais il peut pas nous rejoindre. Ah, mais si, on va être obligé de descendre le truc. Bah oui! Si on veut skip. C'est bon là vous êtes passé le mot pour être juste des sacs à merde? Putain, les archers! Alors, les espèces de capitaines là, normalement, une seule épée ça suffit pas pour les stuns, mais là oui, prenons le banc en plein, hein. Si je peux les buter en un. Sans me faire botter le cul.
Hop, dans la lave. J'ai pas souvenir de ce coffre. Il est peut-être déjà là, hein, mais c'est. Mais j'en ai pas souvenir. Hein. Vu qu'il. Ouais, bon, je sais pas. Alors. Ah oui, si on veut skipper le. Donc on veut y faire le smelter des monts, non, on est obligé de le descendre. Donc ça. Aïe! Calme, 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 calme. Il est vénère celui-là. Hein. What? D'où il sort celui de derrière? Non mais si tu venais de derrière, tu peux pas venir avant? Putain, le mec, il s'est réveillé. Tu sais, le mec, il devait taper la connette avec je sais pas qui. What? Attends, il vient du début? Qu'est-ce qu'il branlait? Aïe. Alors. On fait gaffe, parce que il y a d'autres archers. Oula! On enlève le feu. Aïe! Ça fait quoi ça déjà? Je sais plus ce que ça fait. Ah! Deux! Deux! Ah oui, deux! Oui, je le répète, mais deux! Alors, on va aller prendre le feu qui est au niveau de du beffroi du soleil, hein? Ta mère? On va prendre le feu qui est au beffroi du soleil, hein. Parce que je crois qu'on en a pas avant le dernier, sinon. Non, mais c'est surtout deux, un, mais les deux de deux directions différentes. C'est vraiment, tu vois le premier et pendant que t'es en train de voir comment tu vas le faire, poum. J'ai pas envie de le faire. En fait, c'est plus une histoire de flemme. Ah. Je m'en prends une déjà pour commencer. J'ai oublié qu'il fallait me faire de Pharos. Non, si. Il me semble que j'en ai quand même une très peu. Ils m'ont pas enlevé mes pierres de Pharos en New Game Plus. En fait, c'est surtout que je l'ai pas fait parce que bah le temps que ça s'active tout ça, j'avais pas.
En soi, c'est pas ce qui me... D'accord. Putain, ils sont en tanky. J'avais oublié qu'ils étaient tanky, les nains, là. Alors, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'aura passé une fois, il y aura plus de mur de brouillard ni rien, donc on pourra... Ils ont rajouté des mobs, nique ta mère. Ah non, 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 c'est normal. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que les... Ouais, alors par contre, Monsieur Aveline, Aveline Chan de son prénom, qui vient au cac. Le mec, il se bat avec des arbalètes, il vient au cac. T'es un abruti ou... Alors, ce qui est bien, c'est que ce que je vais appeler les vrais PNJ, ils sont plus là après. Il y a que les nains. J'ai eu boule parce que il restait le PV. Non mais oui. Voilà, comme ça, la prochaine fois, on pourra juste rusher. Il y a le frère jumeau du mec d'en bas. Je crois qu'il y a un autre PNJ là. Je crois qu'il y a un PNJ en armure. Oui, c'est ça. Avec une greatsword d'ailleurs. Aïe! Putain, mais vous êtes des nains, pourquoi vous battez à l'arc? Oui, ça n'a aucun rapport. Oui, je suis d'accord, hein, il n'y a aucun rapport entre le fait que ce soit des nains qui ne devraient pas se battre à l'arc. Ouais, non, mais je veux dire, en revenant, le truc c'est que... En dehors des nains, il y aura personne. Alors oui, merci. Le truc c'est que du coup je pourrais complètement rusher sans être emmerdé en fait. Parce que... Ah, il n'y avait pas un herbe royal ici avant? Ou plus tard? Ah bon, bah tant pis. Bon, je me retrouve quand même avec plus de viol de vie que tout à l'heure. Hein. Me retaper le chemin en soi, c'est pas ça qui me fait le plus peur en fait. L'habitude de Dark Souls 3, de Dark Souls 2. Merde. Plouf! Par contre, on les renvoie en haut, hein, les guignols aux arcs. Hein. Faut peut-être pas déconner non plus. Oh là là, je l'ai pas vu venir!
Aïe. Ouais, y en a combien? Eh, hey, wow. Eh, hey, calme. Ah ouais, mais waouh. Eh, hey, y en a jamais autre. Enfin, je veux bien que oui. Alors là, New Game Plus, tout ça, ennemi ajouté, mais quand même. Je joue totalement ma vie, hein. Gros. Bonjour. J'ai totalement joué ma vie en rushant, hein, mais là, à la phase. Les trois tortues là, c'était un nope. C'était un nope définitif, hein, les trois en même temps, c'est mort. Bon. Mais cette... Ah! Est-ce que tu veux pas me frapper encore plus? Bon, Grand matin, garde Drake. D'accord. Ah oui, non, tout à l'heure j'ai sauvé Grand Goutte. Ah oui, complètement. Et là, le PNJ est revenu. Oui, je vais quand même. Je préfère quand même avoir toutes mes fioles. Surtout plus au cas où. Alors, est-ce que je vais tomber dans le trou? Ah là, pour le coup, j'aimerais l'éviter le trou. Éviter le, et pas le viser. Bah ouais. Dans le 1 c'était 20, dans le 3 c'est 15, mais là tu sais pas pourquoi c'est 12. Well, hello. Poor Demon King. Old Iron King plutôt. Alors que c'est bien avec lui, par contre, quand il est vulnérable, je peux me permettre de d'y aller, genre balancer tout. Parce que le temps qu'il se remette en place, j'aurais récupéré mon enduit. Alors, je préfère me mettre aïe. Je fais de la merde. Bonjour. Les flammes ne restent pas 36 ans. C'est faux. C'est
C'est bien, genre, les flammes, t'sais, elles te font mal, mais en, non seulement elles te font mal, mais en plus, c'est. Elle reste de façon à ce que même quand tu vas te relever, bah tu vas t'en reprendre une. J'ai demandé tout à l'heure quand il y avait l'ordre, mais monsieur Adénier, arrêtez de me répondre. Et il y avait des gens et personne m'a répondu. Est-ce que mon ventilo s'entend? Oui, voilà. La dernière fois, tu m'avais dit que ça s'entendait un peu trop. Mais ok. Parce que ouais, non, en ce moment, dans mon appart, c'est juste, je décède. Hein. Ah oui, du coup. Oui. Quand il crache les flammes. Je suis pas confiant. C'est un coup de me la prendre et. Aïe! Non, je préfère me soigner. Hein. Bon, j'ai réussi à le toucher quand même. Aïe. Évidemment, il reste plus beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il spam le coup que j'aime pas trop. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Vous voyez, parce que je sais pas si ça s'était vu la première fois que j'avais. Il y a un tout petit trou là. On va dire oui, il est tout petit, mais la reine, ça va. Mais ouais, non, mais il suffit que vous fassiez pas gaffe et à force de reculer ou d'esquiver, et vous tombez dans le trou. Ah oui, on a dit ouais, bon, on peut ne pas aller voir Adia. Hein, si. Parce que bon. Ah ouais, après le truc c'est que ouais, ça va enchaîner les. À chaque fois qu'on va avoir un truc avec lui, ça va enchaîner les cinématiques. Du coup, on a les 4 zanzanes parce qu'on a fait le Rotten, on a fait la pêcheresse, on a fait Freya tout à l'heure, et puis là on vient de faire le Hollow Iron King. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah, du coup, on va pouvoir aller faire Drang Lake. Ruine de l'embranchement. Amana, c'est pas tout de suite, hein. Faut le temps d'y aller. Hein. Non, mais là pour le New Game Plus, j'ai pas envie de faire des streams de qui durent 10 ans. Tu sais, comme j'ai fait récemment. Récemment, ouais, c'était. Je faisais des streams quoi de 2h, 2h30. Ouais, non, je m'en doutais. Hein. Je pense qu'il vient pour le principe, histoire de voir si ça rage ou pas, mais. Oui, du coup, comme j'ai pas envie de pour le Game Plus, parce que voilà, c'est. On a pas. Vu qu'on va assez vite,
Y a pas besoin de faire des streams qui durent une plombe. Du coup, selon le alors, on va aller jusqu'à Drang Lake. Et selon ma motivation, on fera peut-être les Dragon Riders, mais on ira peut-être pas plus loin, par contre, pour cette fois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, c'est juste une histoire d'envie. Parce que le truc, c'est que du coup, on refait le jeu, mais bon. Je vois pas l'intérêt des trucs genre Trash Mob, mais Black Phantom. C'est vraiment le mob qui sert à rien, mais en Black Phantom. Non, c'est pas une histoire de pour les gens ou tout ça, mais c'est juste j'ai pas envie de voilà, comme, vu qu'on fait que ref les New Game Plus, j'ai pas envie de streamer 2 heures, même si c'est sur plusieurs jours. De toute façon. Là du coup je vais pas faire tous les jours hein. Là hier j'en ai pas fait demain je sais même pas si j'en ferai hein. Ouais, on pourrait faire ça, streamer du Fighters. Ah je me ferai je serai salé je serai salé et tout, mais je ragerai, mais pourquoi le deuxième coup n'est pas passé? Ouais, non, attends, par contre, c'était quoi ce bullshit? Attends, c'était quoi ce truc? Le deuxième coup est pas passé? Voilà! Merde! Le mec balaye que je suis un perso invisible et tout. J'esquive tes attaques sans. Ouais. Je prends même pas les objets sur le chemin. Attends, faudrait que j'aille échanger l'âme de Gwyn. Je crois que c'est Gwyn qui donne le vieux roi de fer. Âme roi. Non, attends, roi d'ivoire. Oui, je l'ai eu, c'est juste que j'y ai pas encore joué. Je l'ai installé et tout, mais Ouais, voilà, âme de roi ancien. J'ai l'âme de Gwyn, faudrait que je l'échange chez Strayed. Ouais, merci le décor de me gêner. Ah putain! Ah les sbires de base qui me cassent les couilles, allez vas-y! Ils ont juste un coup normal à se prendre avant de mourir! Pourquoi t'avais beaucoup de vie toi? Non mais les sbires de base qui commencent à être chiants là! Alors ok, normalement ils sont censés être chiants mais quand même! Tablette du Titanic gratos. Alors apparemment les éléphants ne nous suivent pas quand on est en haut. Bah on va tester. Ah bah oui. Alors là le Black Phantom c'est pas obligé. Déjà qu'on se prend qu'on a l'armée au cul Meurs. C'était létal le mec.
Mais c'est bon, hein, il y a suffisamment d'âmes, hein, lâchez-moi. On a activé, j'ai activé les deux, c'est bon. Je crois qu'ils viennent que d'un côté maintenant. Je préfère vérifier quand même. Alors, on est à l'intérieur. Bon, je regarde même si. Voilà. Et les mecs, ils me suivent jusque là, quoi. Vous voulez pas mourir en silence? Non, non, justement. Alors, je sais pas si c'est une mise à jour ou quoi, mais moi, quand j'ai fait le jeu Vanilla sur 3.6, et ça venait de temps en temps de gauche ou droite selon ma position. Malgré que j'étais juste encore devant. Tu veux pas avoir tes sorts tout de suite? Histoire qu'on... le New Game Plus 2, il y a des chances pour que je le stream pas. Hein. Là, c'est pour le New Game Plus parce que c'est intéressant. Le New Game Plus 2, je risque de pas le streamer. Je pense que par flemme... Je risque de pas faire les boss, les 4 boss et de farmer 2 millions d'âmes hein, parce que... Ah, tout dépend, en fait, tout dépendra de... Tout dépendra en fait du nombre d'âmes qu'on me donne en New Game Plus 2, mais... Je sais pas si j'aurai la motivation de faire les 3 et 4 âmes. Oui, oui, complètement. Oui, non, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, là on va s'arrêter là. Comme ça on enchaînera plusieurs trucs la dernière fois. La prochaine fois du coup ça fera qu'on enchaînera les Dragon Rider, le Chevalier Miroir et le Demon of Song minimum si on va pas jusqu'à Valstat. Non, c'est 2 millions apparemment. C'est 2 millions mais c'est faut gagner 2 millions dans ton cycle actuel. Ouais, attends, je vais pas quitter comme ça. Ouais, c'est 2 millions, mais dans ton cycle actuel. C'est-à-dire que même si t'as 5 millions quand tu finis le jeu, ça te permettra pas de passer la porte de Drang Lake en New Game Plus. Faudra que tu regagnes 2 millions d'âmes, en fait. Je suis allé vérifier, justement. En fait, tout le monde pensait qu'en fait le truc augmentait à chaque New Game Plus. C'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, à chaque fois, il te faut de nouveau 2 millions. Par rapport à ton sous-level actuel. À ton sous-level, pardon. Bon, ouais, du coup, la prochaine fois, du coup, bah, on va attaquer le gros. Non, c'est 3 millions. C'est bizarre, je suis allé voir. Ouais, mais même, bref, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là. Comme ça, la prochaine fois, on va pouvoir attaquer pas mal de trucs. Et selon les difficultés qui ont été ajoutées, ça ira assez vite. Et du coup, je vous dis à plus les gens. Et merci d'être passés pour ceux qui sont passés sur le stream. Allez, salut!